Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vince et nous sommes sur le studio Talent 240. Comme vous le savez, sur cette chaîne, il s'agira principalement de découvrir des talents et leur donner de la force. Donc je compte sur vous. Pour ceux qui sont intéressés et qui pensent qu'ils ont un talent, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram qui sera sur cet écran. Et en bas en description, vous aurez également l'adresse mail pour me contacter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager massivement à tout votre entourage pour nous faire connaître et pour avoir les informations, les nouvelles vidéos qui seront disponibles sur la chaîne. Aujourd'hui, l'équipe, j'ai un guest pour vous. J'ai un guest pour vous et j'espère que vous allez me donner votre avis sur ce qui va se passer sur la prestation et sur tout l'ensemble. Sans plus tarder, let's go, ça va bien se passer. Salut à toi et je te remercie d'avoir fait le déplacement et de te prêter à l'exercice, de te faire connaître par le public. Avec plaisir, avec plaisir. Alors moi, j'ai connaissance que tu es dans le domaine de la musique. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui nous suivent? Yes, du coup, bonjour à tous. Donc moi, c'est BKL. Ouais. On va dire que c'est mon blaze. Ouais. Mon blaze dans le rap. J'ai commencé le rap il y a... En 2016, je pense, donc ça fait 7 ans. Ouais, 7 ans. Après, j'ai fait une grande pause avec les études. Tu connais les études, les parents. Ouais, ouais. Ouais. Mais après, le rap, ça reste quand même quelque chose d'important pour moi. J'écoute beaucoup de musique, on va en parler, j'imagine. Ouais. De mon style de musique, j'aime bien écouter. Du coup, à côté, je continue d'écrire. Okay. J'aime bien écrire. Ce qui m'inspire, c'est beaucoup de lyricistes, ouais. Principalement. Okay. Donc voilà, je continue d'écrire. Parfois, j'ai des instrus qui me passent et qui m'inspirent et j'arrive à poser quelques trucs de temps en temps. Je ne me lance pas pour l'instant dans une carrière, entre guillemets. J'ai mon taf à côté. Pour le moment, c'est une distraction, plus une distraction qu'autre chose. Mais après, c'est un plaisir de montrer ce que je sais faire, de valoriser. J'aime beaucoup le concept de ton émission. Je pense que ça va permettre de découvrir beaucoup de talents et c'est avec plaisir. J'essaye de lancer le truc, quoi. Je tiens à rappeler également que BKL, il a l'habitude de pouvoir mettre les deux côtés, la partie pro et la partie passion, tout ce qu'il aime faire. Et du coup, il arrive à écrire, à combiner les deux. Donc, ceux qui sont derrière cet écran et qui hésitent encore à venir vous faire découvrir, venez vous faire découvrir. So, avant qu'on continue, moi, ce que je vais te proposer, c'est que BKL, tu vas nous répondre à certaines questions pour que le public puisse savoir en fait comment tu penses et voilà, juger. So, pour que tout le monde puisse te connaître, BKL, on va faire un petit, ça va pas être un quiz, c'est juste pour que tout le monde te connaisse, un petit Fast and Curious. Okay. Dans un premier temps, on veut savoir, est-ce que tu es plus afrobeat ou rap? Allez, je vais dire rap quand même. Rap? Plus rap. J'écoute beaucoup de rap, j'aime beaucoup le rap. Ouais. Après, afrobeat, ça passe aussi. Hein. Ça passe aussi, mais tu es plus dans le rap. Ouais, je suis plus rap. Et du coup, tu penches plus du rap africain ou du rap français? J'écoute beaucoup de rap français. Beaucoup de rap après, français. Après, il y a certains rappeurs africains. Africains qui t'intéressent, mais peut-être plus. Ouais, plus rap. En vrai, un rap africain, j'écoute les mainstream, genre. Je suis béninois. Donc, ok. Historiquement, on a Blaze, qui pour moi est notre meilleur rappeur. Ouais. Fanico, il fait pas trop de rap, mais ça reste Fanico quand même. Ouais, il fait de la bonne musique, ouais. Ouais. Après, j'aime bien Suspect. Suspect? Suspect, il a une vibe, il a une plume que j'aime bien. Ouais. J'aime bien ce qu'il écrit. Et justement, pour en revenir là, tout le monde veut savoir, qu'est-ce que tu penses entre Blaze et Suspect 95? Qui tu aurais choisi comme meilleur rappeur là? À leur prime, hein, je tiens à préciser, à leur prime. À leur prime. Pour ceux qui ne savent pas, Blaze, c'est un rappeur béninois et Suspect 95, c'est un rappeur ivoirien. C'est là. Le patriotisme va parler, c'est Blaze. Ouais, je savais que tu allais revenir sur le coup. C'est Blaze d'abord. Après, Suspect, il est très chaud. Hein. Après, ce n'est pas non plus le même registre, hein, mais non, Blaze plus. Blaze a inspiré beaucoup de rappeurs béninois. Je pense qu'il m'a inspiré aussi. Ouais. Aller-retour, l'hymne que tout le monde connaît. So, big up à Blaze. Ouais. Big up à Blaze. Je vous invite à écouter les sons de Blaze pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu penchais aussi sur du rap français. Ouais. Sur le rap français, je vais te poser un dilemme. Ok. Là, actuellement, sur les réseaux, sur Twitter, on a Booba qui nous fait du sale. Ah. On a Booba qui nous fait du sale, il met des trucs, histoire d'ambiancer tout le monde, de raconter des trucs. Et on a Ninho qui est l'homme au certif, ça on sait. Ok. Du coup, moi, je vais te poser la question de savoir, entre Ninho et Booba, qu'est-ce que tu valides à son prime? Sans hésitation, Ninho. Sans hésitation, Ninho. Sans hésitation, Ninho.
Juste à cause des certifs ou développe un peu plus? Booba, ça reste king. Hein. Booba, ouais. C'est le roi, tout le monde sait. Après, honnêtement, j'ai jamais été vraiment un grand fan, de, Booba. Je respecte sa musique, mais ouais. Nino, c'est fort. Okay. Nino, c'est fort. Dès le départ, la dernière fois, je regardais encore un truc qui passait où c'était Medine. Medine qui parlait du passage de Nino dans Grand Paris. Ok. Et je me rappelle Medine dans la vidéo, il a dit quand Nino a posé, il pensait tous qu'il était en décalé par rapport à l'instrument. En fait, il était juste en avance par rapport à l'instrument. Oh là 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 là, là, il a envoyé la pêche. Quand tu écoutes après Grand Paris, tu sens que il est. En fait, Nino a toujours été chaud et il a montré avec les années. Quoi. Avec le temps. Du coup, je mets une pièce sur Nino plutôt. Ouais. Alors du coup, dans ta vie perso, effectivement, moi je t'ai connu, tu jouais au football. Toujours d'ailleurs. Ok, du coup, en fait, la question qui va se poser, c'est la question à 1 000 $, c'est la question que tout le monde se pose, mais par rapport à toi, qu'est-ce que toi tu penses réellement de Lionel Messi et de Ronaldo? Alors moi, Cristiano Ronaldo. Moi je suis un Barcelonais, donc évidemment, je vais te dire Messi. Okay. Après, je respecte énormément la carrière de Ronaldo. Hein. Ronaldo est très chaud, mais moi mon cœur c'est Messi. Hein. C'est Messi. Pour la petite anecdote, dans tous mes mots de passe, il y a Messi. Je vais te dire à quel point là où il est dans mon. Messi. C'est marrant. Tout, ouais. Mais je pense qu'on a de grands fans de foot là qui penchent forcément du même avis que toi. Ouais. Sans pour autant dénigrer Ronaldo. C'est énorme. Il a quand même une grande carrière, c'est un grand joueur. Ouais. Et moi, je respecte tes. Pour le coup, moi, je suis Ronaldo. Bon, écoute. Voilà. Après, chacun c'est. Voilà. Chacun son chacun. Alors, du coup, je respecte ton avis. Ouais. Et du coup, actuellement, tu vois, sûrement le Barça, il est pas au top de sa forme. Ils sont pas au top de leur forme. Du coup, là, tu penses que pour la Champions League, là actuellement, tu penses que comment ça va se faire? Franchement, le Real, je déteste le Real, mais ils sont chauds. Mais cette année, je pense que Guardiola va le faire. Allez. Je pense que City va gagner. Inch'Allah. Je me trompe peut-être. Hein. Les Madrilènes ne seront pas d'accord, mais je mets une pièce sur Guardiola. Ça fait un moment, il rate. Enfin, il perd en demi. Je pense qu'il arrive à aller au bout. Go. Inch'Allah, on va voir ce que ça donne. Ouais. On va voir ce que ça donne. So, là, je vais toujours rester sur la partie pro, sur la partie perso. Ouais. On veut savoir, on va quitter un peu tout ce qui est foot et tout. On va descendre dans notre passe-temps, ce que tu fais, par exemple, entre Netflix et Prime Vidéo. Ok. Ce que je préfère? Ouais, ce que je préfère. Franchement, moi, je suis Netflix, team Netflix. Hein. Ouais, je me disais. Plus bien. Netflix. Netflix. Après, je peux avoir des trucs sur Prime, mais moi, j'ai été habitué à Netflix. Et je trouve que ça ne sert à rien d'avoir plusieurs plateformes. Okay. Donc, je suis plus Netflix. Tu restes plus Netflix. Et t'es plus série ou film? Série. Série? Ouais. Quoi, les films? Pour un film, je préfère aller au ciné. Au ciné? Ouais. Ah, avec la baby. C'est mieux, tout. Avec la baby et tout. Ok. Vous avez eu le temps de connaître un peu BKL, voilà un peu ce qu'il pense de la musique, du rap, de la vie professionnelle, du foot, de tout. Et je vous laisserai mettre en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes du même avis que BKL ou pas. On va passer maintenant au moment tant attendu. BKL au micro. Let's go. Let's go. C'est parti, je lâche un freestyle épique. J'arrive en bombe sur l'instru. Ouais, négro, j'ai atomique. 5 ans sans rapper, oui, je sais, je t'ai manqué. 5 ans et pourtant, le PSG n'a pas de LDC. Hein. C'est pas une punition, c'est pas une affaire d'ambition. C'est pas parce que ton mec s'appelle René que ton mec est mignon. C'est pas une illusion, encore moins de la précaution. Mais ces rappeurs sont dans le rouge comme des menstruations. J'accélère, négro, pour te montrer. J'ai trop de flow pour te montrer qu'il y a du niveau. Pour te montrer, c'est qui le pro. Toi, tu décélères, négro, juste parce que t'as pas les gros. Juste parce que tu fais le show. Alors qu'en vrai t'es juste l'osmo. T'es divine comme ma meuf, comme celle d'Asafro qui est. Je te parle de l'original et pas d'une pâle copie. Batterie comme B2O et toutes tes niaiseries. Comme quoi on peut être king et quand même faire des conneries. Ici bas c'est chaud with gun dirty. Donne-moi un bif pour qu'on fasse un safari. Donne-moi un globe pour une expédition punitive. C'est Swift Gap type con qui cartonne à Paris. Ici bas c'est chaud with gun dirty. Donne-moi un bif pour qu'on fasse un safari. Donne-moi un globe pour une expédition politique, c'est celui de la petite. Toujours en forme pour le deuxième couplet. Comme de l'eau, je te troublais. Tu veux faire des vues, négro? Pars en live comme son plaît. Avant nous, on était frais. On avait des jeux stylés. Aujourd'hui, nos petits frères passent leur vie à quoi couper. Expédition punitive pour le premier épisode. Et ce n'est que la première série de l'on épilogue. Si tu
follow pas studio talent, t'es nu comme Sanya. Et on te mettra une patate à la Adesanya. Oui, vers mec et j'ai fini. Faire et 8, ça c'est lundi. Faire vite quand NSI et vers couleur, ça c'est kaki. Vers la fin, je pars en vrille. Vers la fin, le steak qui grille. Faire à ti pour les arbitres, c'est comme un verre dans un maquis. Fin de séquence. Tu peux prendre de l'air, représente 2-9, on blasse BKL, rien ne change. Toujours le même gang à te présenter. Big up à Zeto Morito et William CCV. Ici bas c'est chaud, with gun dirty. Donne-moi un beef pour qu'on fasse un safari. Donne-moi un Glock pour une expédition punitive. C'est suivre des petites connes qui cartonnent à Paris. Ici bas c'est chaud, with gun dirty. Donne-moi un beef pour qu'on fasse un safari. Donne-moi un Glock pour une expédition punitive. C'est suivre des petites connes qui cartonnent à Paris. Ok, ici je me représente, c'est Wahab BKL. Appelle-moi Monsieur Punchline et je ne suis son BKL. Pendant que toi tu parlais, en scred je me préparais. Téléchargement terminé, le lancement il est paré. Ta tête est comme une poubelle, dedans tout est pourri. Tu veux être fort au basket, mange du riz au curry. En fait ils sont comme de l'eau sur ma vie. Ils me pompent et je crois plus fort que des éléphants. MDR, ils se trompent, la cuisson elle est parfaite. À point non je préfère Seyant. Capitaine sur le terrain, appelez-moi c'est Seyant. Mon pura c'est comme la foudre, il s'abat sur ta tête. Vu que j'y vais en solo, les négros ils s'inquiètent. T'es comme Béné à la canne, mais qu'on ne te voit jamais. Comme un geek, oui, t'es en panne, donc t'as besoin d'un coup de main. Tu veux savoir c'est qui l'as, pour ça rends-toi à Vegas. Ça se brille comme du rubis quand elle regarde nos vélas. Tout le faux que tu génères me fait penser à Kylie. Sur la rive ou dans la mare, ça c'est le jeu à Kendrick. Toi t'es encore sur la côte, moi je prends déjà le large. À la Homer Simpson, entre toi et moi, y'a une marge. Y'a une marge, à la Homer Simpson, entre toi et moi, y'a une marge. Hey yo, c'est la fin. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse mettre en commentaire votre avis. Likez, abonnez-vous, partagez vraiment à tout le monde pour donner la force. Franchement, lourd, on apprécie. Et vous verrez tout sur ma page Instagram que vous aurez sur l'écran et en description le lien. So, let's go, ça va bien se passer.